Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas comme je filme d'habitude, un cadre vraiment différent. C'est parce qu'aujourd'hui je vais vous faire un car tour, donc je vais vous présenter ma voiture et on va la custom ensemble, donc c'est parti. Déjà voilà, j'avais envie de mettre ça tout le long comme ça du coffre, parce que j'ai déjà mis ça le long de mes deux portières et je me suis dit attends, pour tout le tas qui reste, pourquoi pas faire mon coffre. Super, j'adore, ça rajoute un petit truc, moi j'aime beaucoup. Bon, sinon voilà ma voiture, donc c'est une Fiat 500 couleur, elle est pas blanche, elle est couleur crème. Et d'ailleurs la dernière fois quand je vous ai présenté mon permis, il n'y avait pas ces autocollants, donc là on a enfin un là, on a un autocollant là. Ah oui, on a mon A là, en plus déjà il est magnétique, mais bon je l'imite donc pas comme le vol. Et vous avez un autocollant là, celui-là je l'ai acheté sur Shein, c'est trop stylé. D'ailleurs j'ai compté en racheter d'autres parce que j'ai vu qu'ils faisaient d'autres stickers, donc franchement je suis choquée pour la qualité parce que ça tient vraiment bien. D'ailleurs j'ai rajouté ça aussi sur mes poignets, en fait c'est des trucs réfléchissants quand tu roules la nuit. Et puis j'en ai mis ici aussi, donc aussi l'autre côté. Quand on ouvre, c'est un peu plus le bazar. Là déjà, j'ai changé le protège volant. Je sais pas si vous avez capté par rapport à la dernière fois. Il y a une petite couronne là avec des strass. Je l'ai acheté sur Shein aussi. Franchement très pratique, il est moins gros que l'autre. Alors ensuite, les boutons, ben moi c'est... Là tu choisis droite ou gauche pour les rétroviseurs. Et là après tu montes, tu baisses, tu les règles comme tu veux. Là c'est pour fermer. Ouvrir. Donc là c'est la clim ici. Donc là tu règles, je vais pas vous apprendre. Là c'est mes vitesses, etc. D'ailleurs j'ai envie d'acheter un protège pour la clé, mais il n'y en a pas sur Shein. Et je compte en acheter de toute façon sur AliExpress parce que bon, on a fait un peu la guerre et du coup c'est bien de protéger. Et d'ailleurs pour ceux qui demandent mon porte-clé là avec les glaces et tout, j'ai acheté sur Shein. Voilà, alors quand tu l'allumes, donc là il y a l'essence, etc. Le nombre de kilomètres. Là ici, bon je vais pas vous apprendre. Et là c'est là. Après là t'as les, voilà, les phares. T'as les pleins phares. Pour les essuie-glaces avant et arrière, donc là tu tournes comme ça, ça fait l'arrière, je vais pas le faire. Mon poste de radio, on va appeler ça comme ça, j'ai acheté sur Shein aussi, c'est très pratique pour poser mon téléphone, je le pose tout le temps. D'ailleurs pour ma radio, je crois que pour les CD, parce que je peux mettre des CD, mais on dirait que ça marche pas, il veut pas le lire, donc je comprends pas. J'ai le mode sport sur ma voiture, mais je l'allume jamais. Ça c'est pour les feux de brouillard, feux de détresse. D'ailleurs ma clim elle marche pas, en fait elle marche mais je veux la ventilation elle marche mais ça ne glace plus, donc faudrait que j'aille faire réparer.
Mais le problème, c'est que vu que je l'ai acheté d'occasion, ma voiture, et il y avait déjà ce problème-là avec la clim, donc la dame m'a juste dit que ça glaçait pas, mais on peut pas savoir si c'est le compresseur ou il faut juste recharger, etc. Donc ça, c'est pour baisser les vitres. Mon levier de vitesse, donc, il se présente en 6 vitesses, et la marche arrière, elle est au fond là-bas. Frein à main, alors ici. Ça, c'est pour mes lunettes, mais du coup, oui, voilà, je les accroche là. Et ça, j'ai pris sur Shein aussi. Voilà, donc là, t'as mes lunettes, c'est très très pratique. Hein. T'as un petit compartiment, t'as mes tic-tac. D'ailleurs, il y a beaucoup l'autre boîte, j'en ai plus. Ici, moi, bon, presque plus. J'achète des chewing-gums. Donc là, c'est pour l'USB. Donc, t'as. Ça, j'ai acheté sur Shein aussi. C'est une clé USB en chocolat. Donc, elle est. C'est une 16 Go. C'est là où je mets mes musiques, etc. La lune cigarette ne sert pas. Mon gel hydroalcoolique, d'ailleurs, ça, je reprends. T'as un baume à lèvres, pince, ligne, des stylos. Bon, le plus important. Ensuite, ici, bon, t'as mes papiers. Papier du véhicule, là. T'as des serviettes, t'as un parfum. Bon, t'as rien d'extraordinaire. Là, ici, t'as une poubelle. Et j'ai acheté ça aussi sur Shein. Bon, maman, elle se met pas dedans. Elle se met justement à l'extérieur. Mais bon, ma mère me l'a cassé. Donc, voilà, que je jette. Ça, c'est très, très pratique. Je peux pas le mettre de mon côté parce que je suis trop en avant. Du coup, bah voilà, laisse tomber. Ah, d'ailleurs, ici, j'ai un chiffon microfibre de manger, ceci. À l'arrière. Donc là, t'as mon sambon, mon pare-soleil. T'as mon sambon, là, d'ailleurs, il n'y en a presque plus. J'adore cette odeur. L'odeur de fruits rouges. Et là, j'en ai acheté un autre ici de rechange. Il n'est pas encore ouvert. Et à l'arrière, bon, ça se présente comme ceci. C'est tout petit, mais il n'y a personne qui se soit à l'arrière. Donc là, t'as mes papiers. T'as aussi mes documents, là, importants. Genre, mon assurance, etc. Et puis, il n'y a rien de... important. Ah oui, ça j'ai acheté sur Shein aussi. J'en ai un de là de mon côté. Très pratique quand tu veux mettre des trucs, des sacs, etc. Et ça j'ai pris à Miniso, mais d'ailleurs ils en vendent. Oula! Ils en vendent sur. Ça c'est la ceinture à chaque fois, je crois. Ils en vendent sur Shein. Des tout noirs. J'aurais dû prendre noir, c'est moins salissant. D'ailleurs ici je vous ai pas dit, mais en fait tu peux ouvrir comme ça. Ça te met un toit panorama, si on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs, j'ai le remis par soleil. Je ne sais pas pourquoi je l'avais tiré. Mais bon, des fois, il y a du soleil qui tape ici, voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver des housses, mais il n'y en a pas ici. On m'a dit qu'il fallait faire sur mesure, mais ça, je savais de toute façon. Et j'ai envie d'aller emmener au nettoyage parce que les traces comme ça, moi, j'aimerais bien que les carreaux, en fait, ils redeviennent blancs. Là, c'est vrai, ça fait marron. Je trouve que ça fait sale. Donc voilà, je pense que je vais amener. Mais ça serait bien aussi que je trouve des protèges. Mais j'en trouve pas. Ah oui, et puis là, t'as un petit compartiment. Je sais pas quoi mettre ici, là. Voilà pour ma voiture. D'ailleurs, pour les jantes, je sais pas si... Non, je pense que je vais laisser comme ça faire sortir. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu faire en noir. Mais non, je crois que je vais plutôt laisser comme ça. Et je sais pas vous, mais mon logo Fiat, là, j'ai envie de faire le contour en marbre. Et tu laisses juste l'écriture Fiat comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Bon, c'était une toute petite vidéo histoire de poster. Et puis, je trouvais ça sympa de vous montrer ma voiture, les gadgets, où est-ce que j'ai acheté. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi mettre des caméras. Une à l'avant et une à l'arrière, comme ça, si jamais j'ai un accident ou quoi que ce soit, et si c'est la personne qui m'est rentrée dedans, par exemple, elle est en tort, et ben au moins j'ai une preuve, etc. pour l'assurance. Donc ça, c'est un truc que j'ai envie de mettre, qu'il faudrait que je mette. D'ailleurs, j'ai très envie de faire d'autres autocollants, par exemple, qui passent de là à tout le long. Mais bon, je sais pas si ça va faire joli, c'est aussi joli comme ça. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!